Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour cette semaine de détox? Contraction entre diététique et détox. À chaque changement de saison, c'est bien de faire une petite cure de ce type pendant une semaine, pendant les 5 jours de la semaine. Ça redynamise notre corps, ça élimine toutes les vilaines toxines qu'on a pu accumuler pendant l'hiver, pendant l'été, parce que l'été, bah aussi, hein, on fait la fête un peu plus, on boit un peu plus, l'apéro avec les potes, tout ça. Voilà. Donc, c'est dans cette idée que je vous propose aujourd'hui une semaine de détox, une recette par jour. Et aujourd'hui, on va commencer par la base, le jus détox qu'on va boire tous les matins à jeun, c'est très important, et qui va nous permettre d'éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées et de nettoyer notre foie. Ce jus, on va le faire à base de gingembre. Est-ce que vous connaissez les vertus du gingembre? Elles sont hyper nombreuses. Oui. Oui, je vois bien, il y a toujours un gros malin qui va me dire « Ah, c'est aphrodisiaque !» Oui, il paraît que c'est aphrodisiaque, mais enfin bon, avant qu'on en ressente les effets, à mon avis, t'as intérêt à bouffer un champ entier de gingembre. Non, il a plein d'autres vertus, ce gingembre. Il est hyper riche en minéraux, en phosphore, en potassium, en calcium, en sodium, en fer, en vitamine B3, B1, B2, et c'est un super antioxydant. On va commencer notre recette en pelant notre gingembre, le coupant en tout petits morceaux, et on va le mettre à infuser dans 1,5 litre d'eau bouillante. Ok? Alors, pour mettre mon gingembre dans l'eau, je le coupe en petits dés. Là, j'ai 150 g de gingembre. Je le coupe en morceaux pour qu'il libère plus ses antioxydants et pour pouvoir aussi le mettre en fait après dans mon petit appareil là, ça voilà, parce que là avec les petites grilles comme ça, hop, ça c'est absolument génial. Dans mon blender, moi j'ai ça qui se met dedans et du coup je vais broyer mon gingembre au milieu, il va rester toute la chair va rester au milieu et ça va libérer tout le jus parfumé, voilà. Mais pour ça, il faut que je le coupe en petits bouts. Ok, donc je finis ça tranquillou. Ensuite, je vais mettre ça dans l'eau, donc, qui a bu, ça y est, qui a bouilli plutôt. Dans ma boisson, je vais aussi mettre un citron vert bio que j'ai lavé, que je vais laisser avec la peau. Pourquoi du citron vert? Parce que moi, je le préfère au citron jaune, je le trouve beaucoup plus parfumé. Sinon, globalement, il a à peu près les mêmes vertus. Bon, le citron, hein, hyper riche en vitamine C, en cuivre, en fer, en fibres, en calcium, en potassium, en phosphore. Excellent, excellent pour le foie. Hop, voilà. Donc lui, je ne le mets pas dans l'eau. Je le mettrai tout à l'heure dans mon blender quand j'aurai passé mon gingembre. Allez, c'est parti. Et ça, je vais laisser infuser pendant une bonne demi-heure. Alors, après une demi-heure d'infusion, je vais récupérer mon gingembre et garder mon eau. Hop. Voilà, parfait. Allez, ça, je le mets dans mon blender. C'est pour ça que je l'ai fait en tout petit carré pour que ça mouline facilement. Je vais mettre un verre d'eau dans lequel il a infusé, peut-être même deux verres, histoire de bien pouvoir... Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on va mouliner ça. Hop. Alors, j'ai rajouté en cours de mixage un autre verre d'eau. Je vais enlever ça. Ça a bien mixé, hein. Et je vais refiltrer. Hop. Allez, la pulpe. Incroyable. Alors la pulpe, hop, on écrase bien. C'est un peu comme les jus d'orange,
avec ou sans pulpe. Enfin, pour boire le matin comme ça, c'est quand même préférable d'enlever toute cette partie-là. Là, on voit bien le jus, déjà, il est bien jaune. Voilà, on la sèche bien. On la passe au tamis. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va mixer nos citrons. J'ai mis mes citrons dans mon blender. Je remets un verre. Vous avez vu la couleur déjà? Avec le gingembre uniquement. C'est incroyable. J'en mets... Oh non, j'en mets qu'un. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, c'est reparti au mixage. Ça y est, mon citron est mixé. Là, je verse comme ça. Comme ça. Tout ce qui est peau et grains reste dans le blender. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va verser ça dans notre bouteille. Je vais quand même le goûter. Mmh. Oh, c'est bon, c'est plein de gingembre. Mmh. Oh la vache. Délicieux. Voilà, une fois que c'est prêt, un petit entonnoir. On verse notre jus dans une bouteille avec un bouchon qu'on va mettre au frais et qu'on va pouvoir consommer dès demain matin. À peine réveillé, le jus de gingembre et de citron vert. Et votre corps va vous dire merci. Les amis, on se retrouve demain pour le jour 2 et pour une autre recette détox. À demain. Ciao, ciao.